parce que tu le mérites. Sois exalté, Jésus, sois glorifié depuis ton trône de gloire. Et sois nos adorations ce matin comme un parfum de bonheur. Merci, Jésus. Sois glorifié. Soit glorifié, soit glorifié,
enraciné en toi, Jésus. Merci, quand Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, Seigneur, merci pour ta présence. Dans le temps de résister, mon âme te bénisse, mon Dieu, Jésus. Je veux m'enraciner en toi. Reçois ce matin l'hommage, mes lèvres. Jésus. Le vent et la tempête, dans le vent de résister. Je veux m'enraciner en toi. Il a la voix des mains de son Seigneur. Jésus, je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner. Jésus, je veux m'enraciner. Après moi, dit éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je te dis merci pour la grâce que tu me fais de venir dans ton Saint-Temple, dans ta maison, dans ta présence. Seigneur, merci pour ta main de protection divine sur ma vie. Seigneur, mon Dieu, ce jour encore, je te suis reconnaissant pour tous tes hauts et bienfaits à mon égard. Pour tous tes hauts et bienfaits dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui es mon rocher. C'est toi qui es mon protecteur. C'est toi qui es mon abri. C'est toi qui es ma force. Jésus, c'est toi ma forteresse. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es ma haute retraite. Tu es mon berger, tu es mon rempart, tu es mon roi. Tu déclares dans ta parole que toi, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et la Bible déclare qu'avant toi, il n'y a point de Dieu. Et après toi, il n'y aura point de Dieu. Parce que tu es l'unique, tu es le véritable, tu es le vrai Dieu. Seigneur mon Dieu,
Tu es l'absolu, le Dieu vivant et vrai. La Bible déclare que tu es le Père des esprits. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es le commencement et la fin. La Bible dit que toi, Jésus, tu es le Dieu de toute chair, de tout esprit. Tu es l'ancien des jours. Tu es le rocher des siècles. Seigneur Jésus, tu es éternel. La Bible déclare que le nombre de tes jours est impénétrable. Tu es insondable. Tu es immortel. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, celui qui opère des signes, des prodiges, des miracles à la gloire de son Saint-Nom. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le prince de paix. Tu es le crucifié et le ressuscité. La Bible t'appelle l'étoile brillante du matin. Ton nom, c'est Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, Yahvé Shama, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sikenu, Jéhovah El Ra, El Elyon, El Olam, El Shaddai, El Haï, El Jibor, Elohim, Adonai Dieu. Ton nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, la Bible déclare que les saints anges se prosternent devant ta sainte face au troisième ciel pour t'adorer jour et nuit en disant Saint, 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 à l'éternel Dieu, le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui vient, le Tout-Puissant, et toute la terre est remplie de sa gloire. C'est pourquoi ce matin, nous, peuple de mis de paix, nous joignons notre voix à celle des anges dans le troisième ciel pour t'adorer en disant Saint, 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 à l'éternel Dieu, le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui vient, le Tout-Puissant, et toute la terre est remplie de sa gloire. Seigneur mon Dieu, la Bible déclare que tu es la lumière du monde. Tu es le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui élève. Tu es aussi le Dieu qui abaisse. Tu es le Dieu qui forme la lumière. Tu es aussi le Dieu qui est capable de former les ténèbres. La Bible déclare que lorsque tu ordonnes la chose vient à l'existence, tu dis et elle apparaît. Ce matin, mon âme bénit ton Saint-Nom. Merci Jésus pour ta grâce sur ma vie. Seigneur, merci pour la santé que tu m'accordes. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Reçois ce matin l'hommage de mes lèvres. Gloire, honneur, élévation, puissance, louange, adoration en toi, ici et maintenant, de génération en génération, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bye.
Jésus, acclame le Seigneur. Tu vas maintenant élever la voix pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, crucifié et ressuscité, ce matin encore, nous voici assemblés en ce lieu qui est ton Saint-Temple. Père, tu nous as rassemblés en ce lieu, Seigneur, pour nous parler de ta part. C'est pourquoi, Saint-Esprit, ce matin, je voudrais me taire pour que tu parles toi-même, depuis ma bouche, dans le cœur de ce peuple, au nom de Jésus. J'ai pris ce matin, Seigneur mon Dieu, que tu disposes le cœur de tes enfants, que tu ouvres l'esprit ce matin pour comprendre encore ce matin les profondeurs de ta parole, au nom de Jésus. Je m'oppose à tout démon, je m'oppose à toute puissance infernale ce matin qui doit s'opposer à ce message et qui doit également s'opposer à la besoin des enfants. Je les mets maintenant en déroute au nom de Jésus. Père, barricade ce lieu par ta main de feu et que ce matin, par la révélation de ta parole, ce peuple soit sauvé, guéri, délivré, restauré, béni à tous égards. Fais-le non pas pour moi, mais pour la seule gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ et tu dis Amen. Amen. Voilà. Bienvenue à soi sur la tête de tous les sorciers de l'Afrique. Qu'aucun d'eux ne s'échappe ce matin. Amen. C'est juste une exhortation. Amen. Voilà.
Et le thème, c'est la persévérance dans l'épreuve. La persévérance dans l'épreuve. Alléluia. Alors, chacun va donc prendre sa Bible. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5, on va lire les versets 10 et 11. Jacques 5, oui, versets 10 à 11. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Oui, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dis Amen. Jacques 5, verset 10 à 11 dit, prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit qu'il y a des prophètes qui ont parlé en son nom. Alléluia. Mais ceux-là, ils ont souffert. Mais dans leur souffrance, ils ont été patients. Amen. Donc, que nous aussi, que nous puissions prendre ces prophètes qui ont souffert dans la patience, que nous puissions prendre comme des modèles. Ah bon? Mais il va plus loin. Des gens qui souffrent, puis nous, on les prend comme des modèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont été patients dans la souffrance. Nous, quand on souffre, est-ce qu'on est patient? Que la souffrance déguerpisse, que la souffrance parte en même temps. Mais le Seigneur dit que ses serviteurs, des moins de Dieu, qui ont parlé de sa part, ont souffert. Mais ils n'ont pas murmuré. Ils ont été patients dans la souffrance. Ceux-là, que nous, on les prend pour modèle. Mais il va plus loin. Verset 11, il dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Un bon? Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Quelqu'un souffre, il est heureux. Amen. Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Je suis sûr que nous tous ici présents, personne n'aime la souffrance. Mais ce n'est dit, ceux-là, ils ont souffert patiemment, ils sont bienheureux. Peut-on souffrir et être heureux? Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Et il va plus loin pour dire, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Ça nous réconforte. Amen. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Comment Job a souffert. Comment il a été patient dans la souffrance. Et tous n'avons vu la fin de Job. Quelle récompense le Seigneur lui a accordé après avoir été patient. Alléluia. Amen. Alors, vous savez que la vérité, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu traversent actuellement des moments difficiles. Aussi nombreux que nous sommes ce matin, chacun a son problème en lui. Ton problème n'est pas mon problème. Mon problème n'est pas pour toi. J'ai pour moi. Toi, tu as pour toi. Alléluia. Mais le Seigneur nous demande d'être persévérant et patient. Sinon, il y a des gens, ils mangent une fois par jour. Alléluia. Il y a des familles où les gens font ce qu'on appelle la mort subite. C'est-à-dire manger une fois par jour. Je me rappelle très bien quand j'étais au collège, au lycée. J'ai un ami du quartier, on faisait la même classe, c'était seconde. Amen. Ses parents lui envoyaient 6 000 francs par mois. Ça fait 200 par jour. Alléluia. Il mangeait chaque 16 heures. S'il a mangé aujourd'hui à 16 heures, c'est demain à 16 heures qu'il attend. Mais chacun a son problème.
Le Seigneur dit, lorsque tu souffres, parce qu'il ne te voit pas, il te voit, mais sois persévérant. Alléluia. Et donc, plusieurs enfants de Dieu traversent actuellement des moments difficiles. Il y a plusieurs qui vivent des crises là où ils sont. Amen. Il y a plusieurs qui sont découragés. Amen. Il y a plusieurs qui sont là, leur vie est bloquée. Amen. Certains sont dans des prisons de Satan. Leur vie est bloquée. Donc, les gens souffrent. Pas que Dieu ne te voit pas, mais il dit d'être persévérant et patient. Amen. Alors, plusieurs n'ont pas la joie actuellement. Il est assis là, mais n'est pas en joie. C'est-à-dire, il fait semblant. Amen. Plusieurs sont là. Mais ils viennent, c'est-à-dire que pour eux, ils viennent à l'église parce que c'est une simple formalité. Ils viennent parce qu'il faut venir, quoi. Sinon, lui-même, il sait que ce n'est pas trop ça. Alléluia. Chacun a un problème particulier qui le tient à cœur, qui le ronge. Amen. Mais pour ne pas qu'il reste à la maison, pour qu'on aille le chercher, il vient de lui-même. Alléluia. Tu sais, ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Les gens souffrent dans le secret. Alléluia. Il y a des problèmes qui les rongent. Mais pour la cause du Seigneur, ils sont là quand même. Alléluia. Alors, plusieurs se retrouvent aujourd'hui remplis d'amertume et de dégoût à cause de ce qui leur arrive. Les gens, ils ont la douleur dans leur cœur à cause de ce qui leur arrive. Mais ils ne parlent pas. Amen. Souvent, quand c'est trop, ils déchargent un peu et puis ils laissent le reste. Je dis, s'il y a des gens qui parlent, si tu les écoutes, toi, dis, attends, c'est qui? C'est lui, là. Lui aussi, il dit ça. Alléluia. Donc, tu es surpris que telle personne peut sortir une telle parole. Les gens ont les problèmes. Amen. Des gens qui sont assis là, ils n'arrivent même pas à payer leur maison. D'autres ne mangent pas à leur faim. D'autres, leur commerce est bloqué. Même leurs fonds de commerce, ils ont tout bouffé. Ils attendent maintenant un miracle de Dieu. Le Seigneur dit, sois persévérant dans l'épreuve. Certains sont assis, se posent des questions. Mais pourquoi tout ça, ça m'arrive? Mais pourquoi, attends, Dieu m'a-t-il abandonné? D'autres même s'interrogent. Attends, donc Dieu a changé. Hein? Amen. La Bible dit, il n'a point changé. Il était le même hier, il demeure le même aujourd'hui et pour l'éternité. Maintenant, le type s'assoit et dit, attends, on dirait que Dieu a changé. C'est-à-dire, il y a des problèmes que les gens traversent. Si on vient leur dire que Dieu n'existe pas, ils vont croire. Amen. Dieu était où? Et puis, il a dû souffrir telle situation. Alléluia. Le type se demande, attends, donc Dieu est incapable de me secourir alors. Il n'est pas aussi puissant pour résoudre le problème dans lequel je suis. Les gens s'interrogent. Ils s'interrogent. Alléluia. Réponse, le Seigneur dit, sois persévérant dans l'épreuve. Amen. Prends ta Bible, Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah bon? Je suis en train de chercher à comprendre. C'est-à-dire, quand on s'ouvre là, c'est pour notre propre bien. Tu es d'accord avec ça? Attends. C'est comme la mort. Personne ne veut mourir, mais tout le monde va aller au ciel. Oh, pour aller, il faut bien mourir. Maintenant, le Seigneur dit la souffrance dans laquelle on est plongé actuellement, que chacun est plongé actuellement, c'est pour son propre bien. Oh,
le monde veut le bien. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut être heureux. Mais Dieu, pour parvenir à ça, il faut passer par une souffrance. Je ne suis pas venu ici ce matin pour faire l'apologie de la souffrance. Pour dire que c'est une bonne chose. Mais Dieu dit, c'est par là qu'on doit passer. Pour aller au ciel, il faut passer par là. Mais là aussi, on ne veut pas, hein? Et pourtant, on va aller là-bas. Et pourtant, on reste ici, on veut que le problème dans lequel on est plongé soit résolu. Dieu dit, ça doit passer par la souffrance. Il faut souffrir d'abord avant d'obtenir ce que tu cherches. Or, je suis conscient que moi, je suis à retraite, je ne suis pas prêt pour souffrir. Amen. Et c'est la même chose pour toi aussi. Mais si tu n'es pas souffrant, tu n'auras rien. Tu vas demeurer dans ta situation. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Déjà, on comprend que la souffrance dans laquelle on est plongé, c'est parce que Dieu nous aime. Et qu'il veut nous bénir, c'est pour nous faire traverser ces moments difficiles. Je suis au courant maintenant. Alléluia. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. La Bible dit que tout vient de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Amen. Vous comprenez? Tout vient de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Ça veut dire que ce que nous arrive là, si ça vient de Dieu. C'est Dieu qui permet ça pour sa gloire. Amen. Si tel est que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous contrôle. Donc, ce qui nous arrive, il dit, il est le responsable de ça. Vous comprenez? Donc, la souffrance que tu traverses, ce que tu es plongé dedans à l'air là, c'est lui qui fait ça. C'est vraiment écrit la Bible, hein? Nous, on est venus trouver ça. On va laisser vous partir, ça va toujours exister. Il dit, tout vient de lui, par lui et pour lui. J'irai encore plus loin. Prends Amos. Tu vas mieux comprendre. Amos chapitre 3, verset 6. Amos 3, verset 6. Tu vas mieux comprendre que tout vient de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Amos 3, le verset 6. Amos 3, verset 6. Oui. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Oui. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dis Amen. C'est clair, non? Il dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Est-ce qu'on peut sonner de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit effrayé? Un exemple. On est assis là, on entend des coups de feu partout, des gens tirent. Forcément, ça va nous effrayer. Tu es d'accord avec ça? Il continue, il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Est-ce qu'un malheur peut arriver à quelque part sans que Dieu ne l'autorise ça? Alléluia. Ah bon? Donc, il y a des malheurs qui nous frappent. On comprend que c'est Dieu même qui fait ça. Hein? Alléluia. Il y a des gens, leurs vies sont bloquées. C'est Dieu qui est l'auteur de ça. Il y a des gens, ils sont encore dans le célibat. C'est Dieu qui est l'auteur de ça. Attends, il faut qu'on cherche à bien comprendre. Hein? Alléluia. Non, c'est ce que Dieu dit. Non, je reprends la partie B. Il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Est-ce que quelque chose peut arriver à un être humain si ce n'est pas Dieu qui a provoqué ça? Si Dieu n'a pas autorisé ça, est-ce que ça peut arriver? Amen. Alors, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances.
Rien ne peut arriver au hasard. Pourquoi? Il sait toutes choses déjà. Donc il n'est pas effrayé. Amen. Donc rien ne peut arriver au hasard. Si ça arrive là, Dieu est déjà au courant de ça. Alléluia. Si ça arrive, c'est que Dieu a préparé ça pour ton bien. Toi, tu peux voir ça mal tout de suite parce que tu vois tout près. On lui a un objectif à atteindre dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur connaît les situations que tu traverses. La Bible déclare qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il sait toutes choses. Il est partout à la fois et il est le Tout-Puissant. Ce matin, je suis donc venu te dire de cesser de pleurer. Amen. Cesse de gémir. Cesse de te lamenter, d'être troublé. Confie-toi à Dieu seul. Supporte car un temps de gloire arrive dans ta vie. Alléluia. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Ça va commencer, mais comment ça va finir là? C'est ça qu'on attend. Alléluia. Avant, on regardait les films là. Les chers bandits, ils sont forts. Tu sais ça, non? Les chers bandits, ils sont forts. Mais vers la fin là, on les tue toujours. Amen. C'est ça. Donc, aujourd'hui, tu es dans l'amertume. Tu es dans la souffrance. Alléluia. Tu es dans le célibat. La misère te frappe. Misère aussi, on dit, ça fait plus mal que piment que les appellent pèse là. La pauvreté, ça fait très mal. Amen. Mais Dieu dit, attends ton temps. Il y a un temps de gloire qui s'annonce à l'horizon pour toi. Alléluia. Tu vas encore prendre ta Bible dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Oui. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Amen. Je vais t'expliquer. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive. Là, tu as compris, non? Il dit souvent même là, Dieu permet que des choses même qui n'arrivent même pas à tes parents, ça arrive à tes propres enfants. Est-ce que tu as connu Dieu même? Il dit, ne soyez pas surpris comme une chose étrange ce qui vous arrive. Il y a des choses qui peuvent arriver à l'enfant de Dieu. C'est inexplicable. Mais c'est pour ton propre bien. Mais toi, tu es en train de maudire ça actuellement. Parce que tu ne sais pas quelle gloire Dieu va donc tirer de cette situation que tu traverses. Amen. Il dit de la fournaise qui est au milieu de vous. Pour vous éprouver. Alléluia. En français facile, 1 Pierre 4, verset 12, il dit, amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ah bon? Le Seigneur dit, nous sommes dans le feu de la souffrance. Feu même là, ça brûle d'abord, puis souffrance encore pour compléter. Amen. Le feu de la souffrance. Alléluia. Il continue, il dit, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. En bon? Ce feu-là, c'est ça qui va faire de toi ce que tu seras demain. Il y a certaines situations, ça arrive, ça fait mal. Mais frère, Dieu est Dieu.
Amen. Comme l'homme est limité dans le temps et dans l'espace, donc la situation arrive, lui se morfond, il se plaint, il maudit ça, il refuse ça. Amen. Or que par ça, Dieu est en train de tracer un nouveau chemin pour toi. Alléluia. Dieu dit, on traverse un feu et c'est ce feu-là qui va faire qu'on saura qui on est. Notre vraie valeur là, c'est de là que ça va sortir. Un exemple, les gens qui sont dans l'or, qui creusent l'or là, bien qui travaillent l'or, quand tu prends l'or, il faut que ça passe par le feu pour sortir joli. Plus ça brûle, plus quand ça sort, ça brille. Alléluia. Si ça n'a pas été bien brûlé par le feu, ça n'a pas bien brillé. Frère, ce qui t'arrive là, ce n'est pas au hasard. C'est Dieu qui permet ça. Mais attends la fin, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La persévérance dans l'épreuve. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que la persévérance? C'est la ténacité. Là même, c'est grave encore. C'est quand on comprend mieux la persévérance. C'est plus gros même que l'autre. La ténacité, c'est la détermination. J'ai dit l'entêtement face à une situation, face au découragement ou à l'opposition. Alléluia. La persévérance, c'est le fait d'être têtu par rapport à un problème qui s'oppose à toi. Ça, c'est plus simple. Tu ne lâches pas prise. C'est bloqué, mais tu ne laisses pas. Amen. C'est ça la persévérance. Alléluia. La persévérance dans l'épreuve. Amen. L'épreuve, c'est quoi? C'est un test. C'est un examen. Quand nos enfants vont à l'école primaire, on appelle ça composition de passage. Alléluia. L'élève s'assoit, il compose. Quand il a fini de composer, il a eu et puis il passe en classe supérieure. Donc l'épreuve, c'est un test, c'est un examen que Dieu envoie pour te faire monter de grade et de niveau. Comprenez? C'est ça l'épreuve. De la persévérance dans l'épreuve. Frère, si tu as compris ce que c'est que l'épreuve, tu vas toujours en demander. Parce qu'il n'y a que l'épreuve seule qui peut te faire monter de dimension. Quand Dieu envoie une épreuve devant toi, tu composes. Lorsque tu passes, ton grade augmente. Mais si tu fuis, tu vas toujours rester à ton même stade. Tu ne bougeras pas. Donc, il y a des choses que tu traverses. Ce n'est pas au hasard. Dieu permet ça pour te faire monter d'une nouvelle dimension. Amen. Est-ce que tu es d'accord à la parole de Dieu? Acclame le Seigneur. Et donc, quand Dieu te met à l'épreuve, c'est pour te bénir à la fin. Satan n'aime pas ça. Satan, lui, n'aime pas l'épreuve. Lui, tente. La tentation du diable est destinée à te faire chuter. C'est pour te faire tomber. Mais Dieu envoie l'épreuve pour te faire monter. Alléluia. Alors, je viens maintenant chez nous ici. Dans cette église, j'ai entendu les gens parler. Et puis moi, je suis témoin des faits. Dans ces deux derniers mois, il y a eu beaucoup de décès. Frère, la persévérance dans l'épreuve. Alléluia. Certains ont perdu leurs frères, leurs sœurs. Amen. Leur mari. Alléluia. Plusieurs sont morts dans les deux mois passés. Amen. Trop de découragement dans ces temps. Mais ce matin, je souhaite te dire, tenons bon, car il y a de la gloire à l'horizon.
N'abandonnons pas, car notre délivrance est proche. Et c'est ce que Luc dit. Luc, voilà. Luc chapitre 21, verset 28. Luc 21, verset 28. Oui. Quand ces choses commenceront à arriver, oui, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Dis amen. La Bible dit qu'on va vivre cette situation difficile, situation de blocage, d'amertume, de portée d'échec, de misère, et même toutes ces choses-là. Il dit, quand ça va arriver, redressez-vous, parce que votre délivrance approche. Alléluia. Je comprends que notre délivrance là, c'est déjà prêt. Amen. En réalité, Dieu a une école de formation. Amen. Je ne vais pas dire son nom, parce que ça ne va pas te plaire, mais c'est ça. Une école de formation. École de la souffrance. Alléluia. Beaucoup de gens n'aiment pas cette école de Dieu. Toi, tu aimes ça? Ah, bon, d'accord. Amen. École de souffrance, l'école de Dieu. Dieu passe par là pour te former, pour te rendre sage, pour te rendre persévérant, pour que tu sortes un bon produit. Alléluia. Donc, l'école de la souffrance, l'école de l'humiliation, l'école du rejet, l'école du mépris, mais surtout l'école du brisement. Pour te briser. Amen. C'est comme quelqu'un disait, Dieu peut t'appeler en tant qu'un véritable homme de Dieu. Mais si tu n'es pas brisé, tu ne réussiras pas la mission pour laquelle il t'a appelé. Donc Dieu permet des choses dans ta vie même pour te briser. Quand tu sors là, tu es prêt maintenant. Alléluia. Il y a des choses, je me rappelle ici, quand je me suis marié en 2010. Oh. Il y a une femme qui est venue gêner ici. La femme, elle dit, quand elle fait enfant, elle fait fausse couche, l'enfant ne reste pas. Chaque fois, il y a trois fois, donc quatrième fois là. Elle dit non, comme le temps d'accoucher est arrivé, elle est venue gêner. Donc pendant qu'elle est venue gêner, elle a accouché. On l'a amenée tout près de la clinique là, elle a accouché. Donc, on suivait les gêneurs, on n'a pas informé l'apôtre que ah, la maman qui est enceinte, qui est venue gêner, elle a accouché. Les gens sont passés derrière nous, lui ont dit la nouvelle. L'apôtre vient au temple. Alléluia. Donc il est venu au temple. En ce moment, c'était Zakwa. Il a appelé Zakwa. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit, non, papa, il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Il dit, bon. Il n'y a pas une femme qui a accouché. Il dit, oh si, 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 elle a accouché. Vous m'avez informé. Il dit, non. Appelle tes frères. Venez, 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 venez. Alléluia. On vient s'asseoir. Il dit, bon. Quand vous êtes des rebelles, comme je vous ai placé ici, c'est pour m'attaquer, vous tous, 10 jours de jeûne chacun. Ah, tiens, moi je viens de me marier, il y a 10 jours de jeûne. Alléluia. On a fait, dans 10 jours là, on suivait jeûneur, on dirigeait, puis on prêchait dans ça. Moi, il n'y a pas de non, si on a commencé, on va dire non, ça fait au moins 3 jours, laisser, c'est blanc. Amen. Donc, si tu n'es pas brisé, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Donc, l'école du brisement de Dieu, c'est difficile, c'est dur, mais c'est une bonne école. Alléluia. C'est nécessaire dans ta vie, parce que tout être humain a besoin de ça. C'est pourquoi il y a des gens, quand il y a des héritages, quand on leur donne, ils dilapident ça. Parce qu'ils n'ont pas souffert pour avoir. Ils n'ont pas été brisés. Amen. Donc, l'école du brisement. Alléluia.
On comprend donc que c'est pour notre propre bien. C'est pour nous former. Alléluia. Comme je disais, plus l'or est chauffé, plus il brille. Amen. Et donc, il faut que tu passes par cette école pour que tu puisses mieux briller. La persévérance dans l'épreuve. Je me rappelle une année, il y a une maman, elle était ici avec son mari était gendarme, enfin, il est toujours gendarme. Ils ne sont plus ici maintenant. Un jour, elle m'a apporté une photo d'elle-même. Oh, Dieu. Elle dit, elle a eu un songe. Dans le songe, il y avait un démon qui se promenait de cour en cour pour piquer les gens. Donc, quand le démon te pique, il devient sec. Amen. Soit la partie, la piquée, ça se calcine, ça se détruit, mais toi-même, tu dessèches. Donc, quand elle a croyé le démon, elle voulait fuir. Le démon l'a loupé seulement. Mais dans loupé, là, il dit, elle est tombée gravement malade. Il dit, elle était comme brindée de balai. Donc, elle a tiré sur un banc et puis ils ont tiré la photo. Ben, un jour, elle est à la maison et puis elle m'a apporté la photo. Elle dit, regarde. Il dit, mais c'est qui ça? Elle dit, non, c'est moi. Non, comment ça? Hey! Je suis surpris. Effectivement, c'est elle. Mais elle est restée tchengrenguen, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, elle a gardé cette photo-là pour dire, le jour que elle a, sa foi baisse. Quand ça baisse, ça baisse. Elle traverse des moments difficiles, elle s'en prend la photo, elle regarde, puis sa foi revient. Parce que si Dieu était capable de la faire sortir de cette maladie-là, c'est qu'il est capable de la sauver de la situation qu'elle traverse. Alléluia. Donc, la souffrance, c'est un prix à payer. La souffrance, le chemin de la croix a mené Jésus dans la gloire. Quand moi-même j'ai lu la Bible, j'ai vu que quand Jésus a souffert, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. C'est après ça qu'il est venu pour dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pour qu'il dise ça, il a fallu qu'il passe par la souffrance. Alléluia. Donc, la souffrance, ce n'est pas que c'est mauvais seulement, mais il y a quelque chose de bon qui sort dedans. Alléluia. Alors, tu dois pouvoir comprendre que le chemin de la souffrance d'aujourd'hui peut t'amener à la gloire demain. Et ça a été le cas de Joseph, le 11e fils de Jacob. Quand je me suis assis, j'ai pris Joseph, puis j'ai lu toute son histoire. Mais l'âme voulait couler. Alléluia. C'est le premier fils de Rachel, celle que Jacob aimait. Mais c'est le 11e fils de Jacob. Amen. Et là, c'est une famille de bergers. Des bergers, hein, ils élèvent les moutons. Son père donne une tunique, un habit unique. Va voir tes frères là, va les voir et puis tu vas me rapporter les nouvelles. Entre-temps, Joseph faisait des songes où ses frères, sa mère, son père, tout le monde s'est prosterné devant lui. Donc déjà, cela a attiré la haine de ses frères contre lui. Les gens ne l'aiment pas. Lui n'a pas dit à Dieu, n'a qu'à faire songe. Donc déjà, son père connaissait les choses spirituelles. Donc il savait qu'un jour, ce petit-là, on va se prosterner devant lui. Ses frères aussi, ayant connaissance de ça, ils voulaient empêcher ça. Amen. Donc quand il a porté la nourriture à ses frères, qu'ils l'ont vu de loin, ils ont commencé à comploter contre lui, ce gars-là. On va le tuer, on voit ce que son sang va devenir. Comment ton propre frère de sang, comment tu peux vouloir le tuer?
le monde est détruit aujourd'hui. Amen. Ruben, qui était le grand frère, a voulu le sauver. Mais quand il s'est écarté un peu, au moment où il est venu là, ils l'ont déjà mis dans une citerne, ils l'ont vendu. Mais ce qui m'a touché, ils ont enlevé son habit et puis ils ont tué un animal, ils ont mis le sang de l'animal dans son habit. Sans le voir, leur papa, ah, ton fils est mort. Ça fait tellement mal aux vieux. Alléluia. Joseph a été vendu à des commerçants qui partaient en Égypte, des Madianites. Et s'ils sont partis, ils ont vendu encore, ça fait deux fois. Et on le vend à Potiphar. Mais au moment où Dieu lui disait que tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère et tous, ils vont se prosterner devant toi, ne lui a pas dit tu vas souffrir d'abord, hein. Alléluia. Et tu es d'accord avec ça? Dieu lui a montré la gloire à venir, mais ne lui a jamais dit que tu vas passer par le feu. Quelqu'un, lui seul, on le vend deux fois. Arrivé donc dans la maison de Potiphar, sa femme sorcière dit de coucher avec elle. Il refuse. En s'enfuyant, là encore, son habit est resté. Je comprends que chaque fois qu'on enlève son habit, c'est lui qui a des problèmes. Alléluia. Amen. Et donc, voici qu'il s'est enfui. Son mari, qui travaille chez Pharaon le roi, vient, on l'informe, il prend Joseph, il le met en prison. Comment, pour un songe, tes frères complotent contre toi, ensuite on te vend, ensuite tu deviens esclave, ensuite tu en fais prison. Pour une seule personne. Tout ça parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui l'attend devant. Alléluia. Et donc, on le met en prison pendant des années. Il avait 17 ans quand on l'avait vendu. Maintenant, pendant que le temps de Dieu est arrivé, on le fait sortir de prison et puis on lui donne de nouveaux vêtements. Alléluia. En une seule journée, il avait maintenant 30 ans. De 17 ans, on l'a vendu là. Ça a 30 ans, il est quitté en prison, il est sorti. 13 ans de souffrance. Est-ce que tu es d'accord pour accepter ça? Tiens, nous aussi, on a fait une semaine, même c'est foutaise. 13 ans de souffrance pour le briser. Mais toutes ces années-là, quand il est sorti le même jour, il a été nommé premier ministre. Du coup, il est devenu le patron de son patron. En même temps, on lui donne femme en mariage. Alléluia. Pour dire quoi? Au bout de la souffrance, il y a une gloire. Mais comme toi, tu n'es pas prêt pour souffrir. Parce qu'il y a des gens, eux-mêmes, ils ne veulent pas passer à côté de la souffrance. Ils ne sont pas prêts pour ça même. Amen. Malgré donc toute cette souffrance, Joseph n'a pas abandonné. Il a persévéré jusqu'à la fin et il a remporté la victoire. Maintenant, moi-même, je vais vous dire mon problème. Moi, le problème que moi j'ai, c'est que les gens qui m'ont annoncé l'évangile, qui m'ont amené à Christ là, ils n'ont pas mal fait. Mais en réalité, ils ne m'ont pas tout dit. Alléluia. Si tu viens au Seigneur, il va te bénir. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Ça là, ils m'ont dit ça. Mais l'autre côté là, je ne suis pas au courant. Alléluia. C'est la même chose Dieu a fait au peuple d'Israël. Vous comprenez?
C'est la même chose Dieu a fait au peuple d'Israël. Prenez vos Bibles. Prenez Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Exode 3, versets 7 à 8. Oui. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Oui. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » Dis Amen. Dieu dit qu'il a vu la souffrance de son peuple qui est en Égypte. Donc lui, il est descendu pour les délivrer de la main de l'oppression de Pharaon. Très bonne nouvelle, non? Les gens ont fait 430 ans en train de souffrir, en train de bâtir l'Égypte, travailler, tracer les routes, construire les pyramides. 430 ans. Ils sont fatigués. Dieu dit, bon, comme c'est mon peuple, je vais venir les sauver. On leur donne l'information. Dieu dit, je vais venir vous délivrer de l'oppression, de la souffrance dans laquelle vous êtes là. Il va vous envoyer dans un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. Quand ils ont entendu ça, lait et puis miel, ils étaient fins. Alléluia. Il dit en bon. Donc, Dieu va nous enlever ici pour nous envoyer dans un bon pays où il y a la bénédiction, il y a la gloire là-bas. Dit le pays des Hétiens, les Jébusiens. C'est-à-dire, il va chasser toutes ces nations-là et puis vous allez prendre leurs maisons, vous allez prendre leurs terres, vous allez prendre leurs pays. Mais quelle gloire, quelle grâce. On est béni. Amen. Mais l'autre côté-là, Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Dieu n'a pas dit que quand vous allez partir là, c'est deux seulement qui vont arriver là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Tiens, si Dieu avait dit ça là, les gars seraient restés en Égypte. N'allaient jamais vouloir partir. Mais il a donné le bon côté, a dit la finalité, la fin. Allez-y occuper les terres des Jébusiens, des Héviens, des Amoréens, des Cananéens. Là-bas, il y a le lait, le miel, ça coule là-bas. D'accord. Ah, sinon ici, on a trop souffert. Hein? Alléluia. On va maintenant partir, on va se reposer un peu. Il dit, quand les gars ont décollé tout près là, la mer Rouge. Moïse, tu es un faux type. Alléluia. Dis, Moïse, tu es un faux type. Tu es un anarcheur. C'est toi, tu nous as pris pour envoyer ici. On va mourir ici. Il n'y a même pas de cimetière pour nous enterrer. Amen. On ferait mieux de rester en Égypte. Là-bas, au moins, il y a un cimetière. Quand on meurt, on nous enterre. Mais là, là, au bord de la mer, là, regarde, le coin est désert. Alléluia. Ça a commencé. Vous voyez la souffrance, non? Je suis dans sa grâce à faire souffler un vent sur la mer. Il a fendu la mer en deux. Ils sont passés à sec. Amen. Et ils sont revenus encore avec Moïse. Ah, Moïse, non, tu es prêt même. Les hommes ne sont pas bien. Hein? Alléluia. Il dit, ah, moi, non, non, tu es un debout même. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, ça va. Amen. Écoutez, pour eux, après la mer Rouge, c'est fini. Ils sont déjà bénis comme ça. Attendez un peu. Alléluia. Donc, ils arrivent maintenant aux eaux de Mara. Alléluia. Il n'y a pas l'eau à boire. Les animaux, les bêtes. C'est-à-dire, ils sont sortis. Il y a beaucoup de bénédictions. Beaucoup de troupeaux. Amen. Il y a des femmes enceintes parmi eux, tout ça là. Les enfants pleurent. Il n'y a pas l'eau. Moïse.
Ton affaire, tu nous as mis dedans là. Il faut nous enlever. Alléluia. Il faut nous enlever. Moïse est venu, il a assaini les eaux, ils ont bu. Amen. Ensuite, il y a eu l'eau du rocher à Horeb. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici que là-bas, il n'y avait pas l'eau encore. Dieu a dit, bon, prends ton bâton, frappe le rocher, l'eau va sortir, ils vont boire. Il a frappé le rocher, l'eau a sorti, ils ont bu. Quand il a dit, quand ils se retrouvent, ils reconnaissent que Moïse est un véritable homme de Dieu. Mais après, quand ça zaille là, alléluia. Quand il y a un blocage, un obstacle, ils estiment que Moïse n'est pas un vrai homme de Dieu. Amen. Donc, un moment est arrivé où ils ont tellement mangé la manne. Matin, ils mangent la manne. Midi, ils mangent manne. Le soir, ils mangent manne. Ils sont fatigués. Ils disent, Moïse, cette nourriture-là, nous, on est dégoûtés de ça. On est fatigués. C'est quoi? Tous les jours, la manne. C'est quoi? Moïse, quand nous, on était en Égypte, on mangeait la viande aussi. Seigneur, j'ai dit, quand j'ai lu Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, non, je ne voulais jamais servir Dieu. Alléluia. Parce que les hommes de Dieu souffrent. Amen. Ils souffrent. Quand tu vois la souffrance que Moïse a endurée dans le désert, ce n'est pas facile. Amen. Donc, le peuple d'Israël dit, hey, il veut manger viande. Le gars, là, dans le désert, là-haut, c'est quel animal va tuer pour te donner toi à manger? Dieu dit, laisse, il va gérer. Il a envoyé les cailles. Ils étaient contents. Ils ont mangé car les autres sont morts. Ça a tué plusieurs. Dieu a envoyé les serpents brûlants. Ça a piqué les gens. Plusieurs sont morts. Et pourtant, Dieu leur avait dit, sortez de là, allez dans un pays où le lait et le miel. La distance entre l'Égypte et Canaan, c'est autour de 600 km par là. Amen. Quand on fait le calcul, c'est comme s'ils ont fait 40 mètres chaque jour sur 40 ans. Alléluia. Mais ils pouvaient faire des années sans bouger, hein? Parce que c'est Dieu qui les conduisait. Amen. Et donc, voici que le peuple d'Israël, plusieurs sont morts dans les guerres qu'ils ont menées avec les nations païennes. Pour eux, quand Dieu leur a dit sortez, allez dans le pays où le lait et le miel à Canaan, pour eux, ils vont quitter ici aujourd'hui. D'ici une semaine, ils seront là-bas à l'aise, déjà bénis, sans souffrance, rien, ils sont déjà bénis. Ils ont déjà le lait, le miel, ils ont pris les maisons des gens, ils ont pris les terres, leurs plantations, tout ça, ils ont tout pris, c'est fini. Ça là, Dieu ne leur a pas dit ça. Il dit sortez, allez-y prendre. Mais comment vous allez prendre là, il n'a pas dit. Amen. La Bible dit, sauf Josué et Caleb sont entrés à Canaan. Tous ceux qui sont partis là, ils sont tous morts dans le désert. C'est une nouvelle génération née dans le désert qui a pu entrer à Canaan. Ceux qui ont quitté la terre d'Égypte là, c'est deux seulement qui sont rentrés à Canaan. Dieu a-t-il menti? Non. Parce que, quoi qu'il en soit, ils sont rentrés. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui s'est réalisé. Alléluia. Pour te dire quoi? Il y a des souffrances quand on endure. On veut que ça passe rapidement. Il y a des souffrances, on refuse ça totalement. Or, Dieu est en train de nous préparer, de nous former pour parvenir à un niveau supérieur. Amen. On va terminer ce message rapidement.
On a aussi l'exemple de David qui a été un roi d'Israël. David a été choisi par Dieu à la place de Saül qui a été rejeté. Alléluia. David était engagé au service de Saül. Il a même vaincu Goliath. Mais Saül a été jaloux de lui. Il a commencé à le persécuter. David est devenu maintenant comme un fugitif. Tu apprends, il est ici. Tu apprends de l'autre côté là-bas. Quand les gens veulent le reconnaître, pour le saisir, pour l'envoyer à Saül, il fuit, il va dans une autre localité. Arrivé à ce moment, le type est obligé de se faire comme un fou. De laisser mort couler tout ça. Amen. Mort couler sur lequel on veut. Oh, maintenant, le gars, il est fou, laissez-le. C'est un fou, laissez-le. Là, c'est un angoplan. Pour éviter qu'on mette la main sur lui pour le remettre à Saül. C'est la souffrance. Mais c'est après qu'il ait traversé toute cette souffrance-là qu'il est devenu roi d'Israël. Et donc, pour parvenir à un niveau de gloire, frère, il est important, nécessaire de passer par un moment de formation qui est la souffrance. Amen. Et cela ne vient pas de Satan, ça vient de Dieu. On ne peut pas combattre Dieu et avoir la victoire. Ce que Dieu décide pour toi, c'est ça qui est bon pour toi. Parce que Dieu seul connaît ce qui est bon pour toi. Il y a des choses que tu demandes au Seigneur. Oh, le Seigneur voit au-delà de ce que tu lui demandes. Parfois, ce que tu demandes, quand il voit, c'est trop petit pour toi. Il veut te donner plus, mais il faut qu'il te forme avant de t'accorder. Alléluia. Alors, pour terminer, on va rapidement lire 2 Corinthiens 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, verset 17. Oui. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent, c'est-à-dire nos petites souffrances qu'on vit à l'air là, Dieu dit, ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tu es d'accord avec ça? Un bon? Donc, c'est-à-dire les petites souffrances qu'on traverse, les difficultés qu'on traverse, déjà derrière ça, il y a une gloire immense qui nous attend. Ok, nous, on n'est pas prêts pour supporter ça. Je l'ai dit, ce matin, je ne suis pas venu faire l'éloge de la souffrance, mais elle est nécessaire pour ton élévation. Amen. Et il continue encore, il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ce qu'on voit, la souffrance que nous on est dedans, qu'on voit là, c'est passager. Ça va passer, mais ce qui va venir après là, ça va demeurer. Amen. Nous allons parler du cas maintenant de Job. La Bible déclare que Job était un homme intègre et droit. Ce qui m'a plu dans l'histoire de Job, c'est que Dieu lui-même témoigne en faveur de Job. Dieu lui-même dit que Job est intègre, il est droit. Dieu reconnaît l'intégrité et la droiture de Job. Quelle grâce. Amen. Mais c'est ce seul homme dans tout le pays d'Utre qui est intègre et droit. C'est ce seul homme-là que Dieu va autoriser au diable de le toucher. Pourquoi? Dieu avait un plan meilleur pour lui. Alléluia. L'apôtre Nassim une fois, il a dit que après Jésus-Christ, qui a le plus souffert dans la Bible, après lui, c'est Job. Quelqu'un qui perd toutes ses grâces, ses bénédictions, ses enfants, tout ça en une journée,
Si tu meurs, c'est mieux. Comme ça ne suffisait pas, une saint malin le frappe au point que sa femme lui dit, il faut maudire Dieu, tu vas mourir pour avoir la paix. Mais dans tout ça, il n'a pas murmuré. Ses amis sont venus, frère. Tes péchés sont trop, c'est pourquoi tu souffres. Job dit non, il n'a pas péché. C'est pas qu'il a péché. Amen. Les gens l'ont convaincu pour lui dire qu'il n'a qu'à accepter qu'il est un pécheur. Amen. Mais il est resté ferme dans son intégrité et dans sa droiture. Il n'a pas parlé contre Dieu, il n'a pas murmuré contre Dieu. Si une telle souffrance s'abat sur toi, si on vient te dire que Jésus n'est pas Seigneur, tu vas croire. Tu vas croire, hein? Il y a des choses qui peuvent t'arriver, non? Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu ça. Amen. J'ai dit, je me repens ce matin. Un jour, je me suis assis par terre dans ma chambre. Et puis, j'ai vu ma situation quand j'étais païen. Et puis, j'ai vu souffrance qui était dedans. Là. Dis, Satan, tu es mieux. Il dit, Satan est mieux. Alléluia. Non, ça dit, ça te dépasse. Alléluia. Mais je me repens ce matin. Amen. Donc, il y a des souffrances que tu peux traverser même si on vient te dire que Jésus n'est pas Dieu. Tu vas croire. Si le Dieu, où était-il? Et puis, j'ai pu vivre ça. Amen. Or, Dieu permet ça pour te forger, pour te former. Amen. Donc, dans toute cette preuve, Job a été persévérant. Amen. Il n'a pas murmuré contre Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Alléluia. Ce qui m'a touché dans toute l'histoire de Job, quand Dieu l'a restauré, quand il a vu la gloire de Dieu dans sa vie, la parole qui est sorti de la bouche de Job, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Cette parole m'a touché. Hein, bon? Donc il pouvait dire ça. Il a fallu qu'il traverse ça pour parvenir à ce niveau pour dire, toi Dieu, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui là, j'ai vu comment tu es. Amen. Et ça m'a touché dans l'histoire de Job. Alléluia. Frères et sœurs, certaines souffrances qu'on traverse, Dieu permet pour nous former. On va prier, mais avant, écoute ceci. Le témoignage de cet homme de Dieu. Il dit, ils ont construit l'église. Les tôles l'ont mis, mais ce n'est pas achevé. Il y a un côté, il y a un trou. Donc, quand ils font le culte et qu'il y a le soleil, ça dérange une partie du peuple. Mais s'il y a la pluie, là c'est gâté. Donc le pasteur est venu, chacun a déjà contribué. Les gens sont épuisés. Il dit, bon, on va baisser les têtes, on va prier le Seigneur pour que le Seigneur touche le cœur des gens, pour qu'ils apportent. Quand ils ont estimé, ça faisait autour de 500 000. Donc, quand il a donné le sujet de prière, pendant que les gens voulaient incliner leur tête pour pouvoir prier, il s'est relevé, il dit, ça va, le Seigneur nous a exaucés. Pourquoi? Quelqu'un quittait là-bas pour nous parler à l'oreille. Les 500 000 là, après le culte, il va te remettre ça. Alléluia. Le monsieur donne 500 000. Nous savons tous que quand on donne à Dieu, en retour, on est béni. Le monsieur donne 500 000 le dimanche après le culte.
Le lundi matin, il va au travail, on le chasse de son travail. Il perd son travail, on l'a licencié. C'est fini pour lui comme ça. Tu es d'accord avec ça? Amen. Quelqu'un hier qui a fait du bien au Seigneur, qui a fait l'œuvre de Dieu, il se soucie de l'œuvre de Dieu pour que ça avance. Il donne son argent 500 000 pour qu'on finisse la sortie du temple. Et puis Dieu permet qu'on le chasse. Frère, c'est le jour-là. Satan va te dire que Dieu n'est pas Dieu, puis tu vas croire. Alléluia. Donc, le frère, on le libère de ton travail. Son patron, qui est un blanc, lui dit, bon, écoute, tu as détenu l'argent de l'entreprise, mais je ne vais pas te mettre en prison. On te licencie, tu t'en vas. Dans le rien, tu t'en vas t'asseoir. Donc, on l'a licencié, il allait s'asseoir. Mais quand même, le dimanche qui a suivi, il est venu à l'église. Si c'est un chrétien d'ici, tu as vu mes deux orteils ici encore, c'est que... Alléluia. Donc, il est venu à l'église. Et chaque dimanche, il venait. Pendant un mois, il n'y a rien. Pendant deux mois, pendant six mois, le gars est là. Il ne travaille pas. Toutes ses économies sont finies, il n'a plus rien. Ah, Seigneur. Donc, le pasteur m'a dérangé. Ah, le frère là. Bon, depuis qu'il a donné l'argent là, on l'a chassé. Vraiment, il est venu, il a vu les responsables. Le gars, allez-y voir le papa là. Essayez de remonter un peu son moral. Exhortez-le un peu, hein, faut pas se décourager. Donc, quand les gens sont partis, les a reçus. Les gens sont venus pour dire, ah frère, vraiment, sois fort, ils nous ont arrêté. Lui-même là, il a commencé à les exhorter. Voici un véritable enfant de Dieu. Non, laissez ça. Ce que j'ai fait pour Dieu, il n'y a rien. L'argent, je n'ai pas volé. C'est mon argent, il n'y a plus pour donner. Donc, je suis patient. Je suis persévérant, j'attends mon temps. Quand il a dit ça, ça a fortifié la foi des responsables. Et puis, ils sont revenus. 12 mois sont passés. Un an complet. Le gars n'a pas travaillé. Mais il vient à l'église et puis il danse même. Ce n'est pas comme les chrétiens chocos d'ici, je vois là. Le gars danse même. Donc, pendant le culte, ce matin va sonner. Mais il n'a pas regardé. Après le culte, il regarde, c'est son patron qui l'avait renvoyé là, c'est lui qui l'appelle. Donc, il prend le portable, il rappelle le patron. Il dit, hey, Michel, pardon, viens rapidement me voir. Reviens. Donc, il va, il croit le patron, il dit, hey, pardon, on t'a renvoyé pour rien. Ya, c'est ta collègue qui travaille avec dans le bureau là. C'est elle qui a changé les chiffres. On l'a attrapé, on l'a mis la main sur lui. Toi, tu n'as rien fait. Pardon, reprends ton travail. Ça, ce n'est rien d'abord. Le type est payé à 500 000 francs par mois. Mais comme il a fait 12 mois sans travailler, c'est du tort qu'on lui a fait. Le patron dit, bon, comme on t'a fait du tort, on doit te dédommager. Au lieu de 500 000, on te donne 1 million par mois. Donc, les 12 mois que tu as fait, ça fait 12 millions. Voilà ça d'abord. Alléluia. Et il va ajouter, à partir d'aujourd'hui, je te nomme le responsable de l'Afrique de l'Ouest complet. Le patron de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Alors, voici un frère que Dieu a mis à l'épreuve parce que le Seigneur avait un plan pour lui. Si ce frère s'était assis pour maudire Dieu, pour murmurer, parce qu'il a fait l'œuvre de Dieu, Dieu a permis qu'on le chasse. Dieu était où? Et puis on le chassait de son travail. Il était où? Si toutes ces paroles négatives, s'il avait prononcé, sa gloire n'aurait pas apparu. Amen. Mais comme il est resté ferme, il est demeuré ferme dans la foi,
toujours en train d'aller à l'église, lui-même en train d'exhorter les autres, le Seigneur l'a rétabli et l'a mis à une position supérieure. Alléluia. Qui est prêt pour être persévérant ce matin? On se connaît encore de voix ici, hein? Amen. Tu lèves ta main, mais demain, quand ça va commencer, c'est pour quitter là-bas, pour marcher, pour venir ici. Parce qu'il faut prier pour moi. Alléluia. Donc, sache que l'Éternel, Dieu, ne t'a pas abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il est avec toi et ne permettra pas aussi que tu sois touché au-delà de tes forces. Chacun a une limite qu'il peut supporter. Dieu ne dépassera pas cette limite-là. Amen. Ta délivrance ne viendra pas des hommes. Ça ne viendra pas des marabouts, ni des féticheurs. Mais ta délivrance viendra de l'Éternel, de ton Créateur. Donc, ne descends pas en Égypte. Amen. Pour aller chercher des solutions chez les féticheurs, chez les marabouts, non. Alléluia. La solution viendra de Jésus-Christ de Nazareth qui a permis que tu vives la situation. Alléluia. Donc ce matin, voici un peu le message que j'ai voulu partager avec vous par rapport à la situation qui prévaut dans l'église, par rapport à la souffrance des uns et des autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.